Il n'y a pas de dimension idéale en ce qui concerne les ancres. La capacité d'ancrage sera mieux définie par le format plutôt que par le poids seulement. Les ancres plus grosses ont une surface plane qui leur permet de bien reposer au fond de l'eau. Il faut choisir une ancre plus volumineuse pour un bateau plus gros et plus lourd, surtout en cas de forte vague ou par grand vent. Selon la longueur du bateau, il doit y avoir une longueur minimale de câble, de chaîne ou de cordage pour toutes les ancres. En termes marins, il s'agit d'un câbleau. Pour les bateaux à voile ou à moteur jusqu'à 9 mètres de longueur, il doit y avoir un câbleau de 15 mètres au moins, que ce soit une combinaison de câbles, de chaînes ou de cordage. Les bateaux entre 9 et 12 mètres nécessitent un câbleau d'au moins 30 mètres, en combinaisons diverses. Les bateaux de 12 mètres et plus requièrent un câbleau d'au moins 50 mètres, en combinaisons diverses. La plupart des ancres sont conçues pour être plus efficaces si elles sont déployées aussi horizontales que possible et elles peuvent être relevées à la verticale si elles sont coincées. La longueur minimale d'un câbleau ne suffit pas toujours pour assurer un ancrage sécuritaire. Ainsi, pour bien s'ancrer dans des conditions de calme à modéré, la longueur recommandée est de 5 à 7 fois la distance entre l'extrémité de la proue et le fond de l'eau. Si la profondeur de l'eau est de 10 pieds, la longueur recommandée sera de 65 à 90 pieds. Cependant, si les vagues sont importantes et que l'ancre risque de se décrocher, la longueur du câbleau doit couvrir jusqu'à 12 fois cette même distance pour assurer une meilleure tenue. Si le fond d'un lac est rocheux, il faudra prévoir l'utilisation d'une chaîne d'au moins 5 mètres attachée à l'ancre. Il sera ainsi plus facile de prévenir les frottements contre les arêtes coupantes des roches. Autre avantage, la chaîne qui repose au fond du lac permet à l'ancre de se maintenir à horizontale pour une meilleure tenue. Avec une seule ancre, le bateau restera dans le sens du vent ou en aval de l'ancre. Si les vents ou les courants changent, il en sera de même pour la position du bateau. Les navigateurs qui aiment maintenir leur embarcation immobile et n'apprécient pas d'être constamment déplacés par les vents ou les courants peuvent utiliser une seconde ancre. Déployée à partir de l'arrière, elle maintiendra le bateau au même endroit. C'est la façon idéale de procéder si vous vous consacrez à la pêche ou êtes dans une aire de mouillage achalandée. Lorsque la mer est plus agitée, une deuxième ancre est tout aussi utile pour plus de puissance de tenue.